Bonjour, je suis heureuse de vous retrouver. Aujourd'hui, je vous propose une méditation pour commencer la journée d'un bon pied. Alors, même si vous écoutez cette méditation le soir avant de vous coucher, elle pourra vous servir et dans tous les cas, vous allez vous endormir avec de belles idées positives. Je vous invite à trouver la posture dans laquelle vous allez pouvoir vous détendre, au moins musculairement. C'est toujours le même chemin. Commencez par prendre soin de votre corps en essayant de vous relâcher. Relâchez les tensions. Simplement pour pouvoir vous connecter avec l'instant présent, être ici. Et maintenant, centrez-vous sur votre respiration et essayez de vraiment ressentir qu'à l'expiration, vous vous détendez davantage. C'est toujours l'expiration qui permet d'accepter tout ce qui peut se produire. C'est l'expiration qui nous permet de nous relâcher, de nous ancrer, de détendre les muscles et de ressentir l'empreinte de son corps sur le support sur lequel vous êtes. Que vous soyez assis, allongé, ou même debout, bien d'aplomb dans vos deux bottes. Et donc tout ce que vous allez avoir à faire pendant les prochaines minutes, ça va être de rester connecté sur votre souffle, de bien ressentir vos inspirations et vos expirations. Pour vous y aider, je vous invite à essayer de respirer de manière consciente en inspirant 4 secondes et en expirant en 8 secondes. Alors dans un premier temps, ça peut vous paraître un petit peu long. Alors réduisez simplement le temps. Imaginez simplement que vous expirez dans le double du temps de votre inspiration. Ça va vous permettre d'agir sur le système nerveux et de vraiment détendre les tensions. Et tout en gardant cette respiration bien consciente, eh bien vous allez imaginer que vous devez vous lever. C'est le matin. Et je vous invite à simplement observer l'état dans lequel vous êtes. Et ça, à le faire tous les matins. Au moment où vous ouvrez les yeux, observez l'état dans lequel vous êtes. Et en fonction de la manière dont vous vous êtes réveillé, en fonction de la nuit que vous avez passée et en fonction de la journée qui vous attend, votre état est différent. Il y a des matins où on se lève, on a très très envie de se lever, on a très envie d'y aller, on est heureux de le faire. Il y a des matins où vous réveillez en sursaut, on n'a pas vraiment le temps de se préparer, et c'est un moment qui est un petit peu bâclé, c'est un moment où on est déjà stressé. Il y a aussi des matins où on n'a pas du tout envie d'y aller. Pour tout un tas de raisons qui nous appartiennent à chacun, tous nos levers sont différents. Et j'ai envie de vous inviter à faire que ce moment-là soit toujours une fête. Donc observez vos impressions, observez vos sensations et acceptez-les. Les observer, c'est simplement regarder et dire « Ah oui, je sens que je me sens stressée aujourd'hui. J'ai même peut-être des sensations physiques. Ça peut être de la fatigue, ça peut être une tension, ça peut être même des petites palpitations. Il peut se passer des tas de choses. » Observez et acceptez. Dans un premier temps, vous pouvez aussi vous demander pourquoi. Qu'est-ce qui vous met dans cet état? Qu'est-ce qui fait que ce matin, en vous réveillant,
vous avez ces sensations, ces émotions. Et quelle qu'elle soit, je vous invite à observer la journée qui vous attend comme une journée où des tas de choses vont être possibles. Avec un esprit ouvert. Peut-être qu'aujourd'hui vous allez faire des rencontres, peut-être que vous avez des rendez-vous et que vous avez peur de ces rendez-vous ne sachant pas ce qui vous attend. Alors je vous invite à ne pas convoquer votre peur et à simplement vous rendre à votre rendez-vous avec la curiosité qui va peut-être vous permettre de faire une belle rencontre. Peut-être qu'aujourd'hui est exactement la même journée qu'hier, en principe. Alors je vous invite à imaginer que peut-être aujourd'hui sera un tout petit peu différent, parce que vous allez observer les choses avec un autre œil, parce que les rencontres que vous allez faire seront différentes, parce que vos tâches, même si elles sont répétitives, sont toujours un tout petit peu différentes, simplement parce que votre état est toujours différent. Peut-être que des choses difficiles vous attendent, et vous savez déjà qu'elles sont difficiles et qu'elles le seront. Alors projetez-vous. Projetez-vous en imaginant que ces choses difficiles, ben vous allez en venir à bout. Alors je vous invite à le faire. Je vous invite parce que je sais que c'est difficile. Je sais que c'est toujours un travail, un chemin pour arriver à se dire de bon matin, j'y vais, parce que peut-être ce sera bien. Mais en positivant ce moment-là, vous avez des chances de vivre une journée positive. Alors qu'en convoquant la peur, ou en étant stressé sans pouvoir nommer son stress, ou la cause de ce stress, ou en ressentant des émotions négatives dès le lever, il est évident que la journée sera plus difficile. J'ai envie de vous inviter à imaginer les choses et à les voir sous un autre angle. Pensez que peut-être est une porte ouverte. Inspirez et expirez. Si vous ressentez des émotions, qu'elle soit positive ou négative, observez-les. Observez-les pour pouvoir nourrir celles qui sont positives. Observez-les pour pouvoir accepter celles qui sont négatives en comprenant pourquoi elles le sont et pour essayer d'observer les choses sous un autre angle. Voilà, sur les prochaines respirations, vous allez reprendre des cycles normaux, sans contrainte, sans compter, simplement en reprenant contact et la conscience de ce contact avec votre support. Ici et maintenant.
sur les prochaines respirations. Commencez à bouger. Et si vous en éprouvez le besoin, vous pouvez vous étirer. Quand vous le sentirez, vous pourrez ouvrir les yeux s'ils étaient fermés et simplement regarder autour de vous. Avec curiosité, comme si vous découvriez l'endroit. Quelle que soit l'heure à laquelle vous avez pratiqué cette méditation, je vous souhaite de doux moments pour la suite. Je vous dis à bientôt.